C'est un trophée de début de championnat, donc avec un match correct, bon niveau, pas l'intensité que l'on peut, à laquelle on peut s'attendre dans un match, dans un championnat qui est lancé ou d'une finale de Coupe d'Europe. Mais je trouve que c'était quand même une très belle partie. On a vu de belles choses sur le plan technique. Moi, j'étais très satisfait. Aujourd'hui encore, Monsieur le Président, après la CAN, vous venez de prouver au monde entier que le Gabon, Libreville, peut accueillir de grands événements sportifs. Lorsque nous avons décidé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, nous savions qu'il y aurait un après Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous voulions des installations qui puissent nous permettre de pouvoir accueillir tous les événements footballistiques internationaux. Et il était donc important pour nous de pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas que la CAN comme événement, que tout autre événement, nous puissions être en mesure de pouvoir l'organiser. Et nous allons continuer sur cette voie-là. Et donc pour le développement du sport au Gabon ? Non, le développement du sport au Gabon, il est important d'avoir, mettre à la disposition des sportifs des installations qui leur permettent de pouvoir pratiquer le sport dans de très bonnes conditions, aussi des conditions de sécurité. Aussi, il faut des bonnes conditions pour que le public se sente à l'aise. Vous pourriez regarder des matchs, quel que soit le sport que l'on aime, c'est important. Donc nous voulons pousser cela. Plus le développement du sport de proximité, parce qu'il faut pouvoir détecter les talents assez tôt. Et c'est donc toute une politique où il faut aller vers les jeunes. Et la jeunesse, c'est l'espoir. Mais les jeunes doivent rêver. Et le public doit rêver. Aux jeunes de rêver, une carrière, d'avoir une source d'inspiration. Mais derrière tout cela, vous voyez, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez vu des champions comme ceux-là, comme ce qu'on vient de voir ce soir, le lendemain, vous avez tout de suite envie de prendre un ballon et d'aller taper. Alors si vous n'avez pas d'infrastructure, c'est très frustrant. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que nous voulons faire. Puis nous voulons donc voir dans les prochaines épreuves plus de joueurs gabonais dans les grands clubs. Bon, ce soir, notre compatriote s'est déjà bien distingué. C'est une bonne chose, ça crée une fierté, puis ça lance d'autres vocations.